Bonjour à tous et merci de nous retrouver à nouveau sur la chaîne YouTube du COP79 où nous sommes aujourd'hui en terre corrézienne pour rencontrer l'équipe des Gletons. Alors c'est dans le cadre du challenge Nouvelle-Aquitaine, c'est un challenge qui est nouveau hein, donc du fait de la nouvelle région. Donc pour chaque poule de promotion d'honneur du 4e au 8e, il y a un challenge interne à notre comité. Donc là on va commencer donc au stade des 8e de finale et là nous rencontrons donc l'équipe des Gletons. Donc en Corrèze. Alors les gars viennent de rentrer au vestiaire, le match va commencer d'ici 2-3 minutes, mais j'aimerais avant tout rendre un hommage donc à un pilier du club qui nous a quitté cette semaine. Donc Christian David, vous êtes tout au courant. Donc on aimerait lui dédier ce match hein, donc pour tout ce qu'il a fait pour le club, pour tout ce qu'il nous a apporté en tant que joueur, en tant que président, en tant qu'ami surtout hein, parce que c'est vraiment important. Et on rendra un hommage un peu plus on va dire interne au club lors de la réception des Gletons donc la semaine prochaine. Et donc on s'associe à toute la peine hein, donc de ses parents, bien sûr de Chantal son épouse, de ses trois garçons, donc Tony, Romu et Juju, avec qui nous confirmons que nous sommes de tout cœur avec eux hein, donc, dans cette terrible épreuve. Voilà. Donc le match va commencer d'ici quelques minutes, donc en espérant une victoire du COP79. Donc allez le COP et à tout à l'heure. Bravo. T'as vu ça? Sans ma fille. Hein? Première prise, c'est après. Il faut fort commencer après. Ah pardon. Et est blessé donc sur réserve pour la finale, donc je pense pas qu'il pourra jouer avant. On a des gens bien sûr qui se sont un peu blessés, Mignon qui s'est blessé hier matin en allant courir. Donc voilà, puis différents absents aussi hein, pour différentes raisons, Arthur, Ben, donc on leur adresse le bonjour. Donc c'est parti avec la balle pour Aigleton, récupéré par Kirikou. Kirikou qui écarte
pour Beben. Armand à la course. Ballon récupéré par Aigleton. Donc ça écarte. Hop, le ballon qui est récupéré, dégagé au pied. Récupération, Lamiche. Lamiche avec Benjalou. Benjalou sur Kirikou. Kirikou, Beben. Beben pour Armand. Qui est repris à 10 mètres de la ligne. Le ballon toujours pour le Cob. Le départ au ras de Beben. Hop. Beben pris un peu haut. Le ballon va se libérer, va sortir pour Fred. Fred pour Freddy qui fait un en avant. Le ballon pour Aigleton. Donc l'arbitre a vu un en avant hein, des joueurs d'Aigleton. Donc on va revenir au premier en avant qui a été commis par Freddy. Alors le terrain est très sec, hein. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est très très sec. Le temps est chaud. Donc à mon avis, ça va faire sale temps pour les gros aujourd'hui. Donc une pensée émue pour Beben. Donc ce sera mêlé pour Aigleton dans leur 22. Là ils sont 16 sur le terrain. Ça sort, ça rentre. Il y en a qui se fait engueuler, là, je ne sais pas lequel, mais. Donc ballon Aigleton, ça joue à la main, ensemble. Bien joué, il n'y a pas d'en avant. L'arbitre signale que ballon est allé vers l'arrière. Aigleton encore. Toujours pris. Ça part dans l'autre sens. En avant, ballon récupéré par Kiran. L'arbitre a vu l'en avant mais laisse l'avantage. Non. L'avantage n'est pas suffisant. Donc il va revenir à une mêlée pour le Cob avec introduction pour Poulet. Alors, Aigleton sorti du 13, Johan Petit entrée du 21, Bige. Alors un petit bonjour à Seb Mercier, je lui signale que le match est commencé. Donc si ça marche pas chez lui, il faudra qu'il allume sa télé ou l'ordinateur. Mais il n'y a que comme ça qu'il pourra le voir. Départ, la combinaison avec Armand, ça a été bien lu hein. Bien lu par le défenseur d'Aigleton qui est venu intercepter et qui a prolongé au pied pour trouver une touche sur notre ligne des 40. Donc l'arbitre a annoncé que la touche n'était pas droite. Donc ce sera une mêlée pour Aigleton sur la ligne des 15. Donc un petit peu désordre de chaque côté là en ce début de match. Une poussée, le ballon est gagné par Aigleton, départ du 8. Donc, qui est sanctionné par rapport à la position de l'attaquant, hein, qui n'était pas une distance suffisante. Donc, ce sera une pénalité pour le Cob.
Donc Beben va essayer de trouver une belle touche. Ce qui est fait, c'est bien Beben. Donc on est à 5 mètres avant la ligne des 22 hein, d'Aigleton. Donc ce sera un lancer pour Tom Tom. Il y a un peu de vent hein, qui balaye le terrain de gauche à droite. S'est fait encore contrer hein, sur cette touche. La prise, ballon récupéré par Kirikou qui prend le trou. Ça fait des rimes. Beben qui repart tout droit, qui a été pris, le ballon conservé pour le Cob. On repart au ras avec Tom Tom. Tom Tom, le soutien est là. C'est bien, ballon pour Fred qui inverse. Avec Armand. Armand avec Keke qui va peut-être aller au bout. Ça joue encore, le ballon est conservé pour le Cob. On est pratiquement sur la ligne. Allez, tout de suite. Avec Alex Barnico qui navigue au cœur de la défense. Le ballon est toujours conservé, on est sur la ligne. Allez. Ça, on a été pris. Le ballon est encore conservé. Là, faudrait ouvrir maintenant, là, je pense. C'est ce que fait Fred. Fred pour Jesse. Jesse qui a arrêté sur la ligne des 5 mètres. On va se faire sanctionner. On va se faire sanctionner pour le ballon, ballon conservé. Là, on vient de gâcher une belle opportunité d'essai, là. Donc, au lieu de naviguer, oula. Il va être pris. Bien pris par Alex. Donc touche pour réussir. Ça joue. La touche avait été marquée. Donc on va revenir à la touche en elle-même. Assez dommage là sur cette action là. Je pense qu'il aurait fallu qu'on ouvre un peu plus vite extérieur. Au lieu de repiquer Aura à chaque fois. Il y avait un gros surnombre sur l'extérieur, c'est dommage. Donc comme je l'avais dit, hein, sale temps pour les gros. Hein. Freddy a un genou à terre. Et il s'est fait un peu mal au genou. Je pense pas que ce soit bien grave. Ça lui permet de souffler un peu en même temps. C'est pas plus mal. Donc, on revient au jeu. Touche lancée pour Tom Tom. Avec Pitou. Donc, sa bataille. Départ d'Armand. Ballon est sorti avec Fred. Fred, arrêté. Le soutien. Le soutien est là. Au relais, on va avoir Armand qui part avec Alex. Alex part tout droit. Allez, le soutien, les gars, c'est bien. Le ballon est là. Ah. On a été sanctionné. On a été sanctionné pour avoir conservé le ballon au sol. Donc, ce sera une pénalité pour Aigleton. Logiquement. Hein. Donc pénalité pour Aigleton
Donc touche trouvée par Aigleton sur notre ligne des 40. Donc bien sûr, un pénalité donc lancé pour Aigleton. Bon, il y a deux ballons sur le terrain. Il y a un bordel là. Hop, le revoilà. Lancé, le ballon qui va être gagné. Ah là 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 là. Donc là, il y a eu un problème de communication là, entre Armand et Benjalou. Donc Benjalou était mieux placé pour recevoir ce ballon pour la récupération et Armand ne l'a pas vu derrière, ou ils ne se sont pas parlé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et Armand a commis un petit en avant, donc il a ramêlé pour Aigleton. Donc introduction Aigleton, ballon gagné. Ça part sur le petit avec une 89. Ah là là, plaquage loupé. Donc bon retour de dos là. Donc voilà, donc on a eu le temps de se replacer, heureusement. Ah là là, les gars, il y a trop de plaquage de loupé pour l'instant là. Donc ça part sur le petit côté. Heureusement qu'il est parti de ce côté-là, parce que je pense pas que la solution était là. Donc bien arrêté encore. Alex au contest, donc qui est nettoyé. Donc Fred. Hop. Ça repart sur le grand côté. Donc on essaye de bloquer le joueur d'Aigleton en haut. On va peut-être y arriver, normalement. Bien les gars, bien. Là, c'est très bien, on a réussi à bloquer le ballon en haut. Donc logiquement, l'arbitre siffle une pénalité pour le COB. Hein, donc là, je vais faire un petit point sur la règle hein, par rapport à ça. Donc comme les gars est pris haut, donc l'équipe qui était en possession du ballon, hein, donc il y a un maul de créer, l'équipe qui était en possession du ballon, si le ballon ne sort pas, est pénalisée par une pénalité contre elle. Donc c'est logiquement, et bien défendu de la part Kieran là, qui a bien pris le gars en haut. Donc là on arrive au quart d'heure de jeu et toujours 0-0 hein, entre Aigleton et le COB. Ballon gagné par le COB pour Beben. Beben avec Keke. On est loin là au soutien là. Non, Beben est arrivé vite fait. Tant mieux. Dos au relais. Jess qui tape, qui va trouver une petite touche. Mais ça le mérite. Ça le mérite d'avoir trouvé la touche. Mais je pense pas là. C'était plus en première intention à Beben de taper que de faire jouer Keke tout de suite. Donc lancé, on est dans nos 22 là, lancé pour Aigleton. Donc là l'arbitre renvoie le joueur, ils avaient annoncé un nombre de joueurs, le gars met 3 heures à se positionner. Oula, ballon récupéré par Pitou. Là ils ne sont pas compris au niveau de la touche, ça rebondit, ça doit être Dos qui doit être au relais je pense. Fred pour Barnick pour Keke pour Jess qui commet un en avant malheureusement. Donc assez dommage, on l'a poussé au bout, un petit en avant de Jess à la réception du ballon. Donc il y aura pénalité, mêlée pour Aigleton, logiquement. Sissou est tout énervé à côté, il se met tout nu, il pisse sur les gens.
Donc, mêlée pour Aigleton. Ballon est gagné. Hop, le 9 qui fait une petite obstruction. L'arbitre a estimé que c'était... Là, il va falloir lâcher, autrement on va être sanctionné. C'est bon, on lâche. On part sur le grand côté. Beben, bien pris. Bien pris... Par Kéké. Alors par contre, là, il y a un surnombre. Heureusement que c'est un peu long, je pense. Ouais. Heureusement que c'est un peu long. Donc là, le ballon est allé directement en touche. Hein, donc on viendra à l'endroit où le ballon a été tapé pour faire la touche. Donc qui sera pour le Cob. Lancé Tom-Tom. Tom-Tom pour Pitou. Ah là, on se fait encore un peu chahuter en l'air là. Donc, enfin chahuter hein, dans la règle, hein, on se fait contrer hein, plus que chahuter, on va dire. Donc là, ça avance. Là, faut plaquer maintenant les gars. On a essayé. Non, on s'est couché sous le ballon là. Il y aura une pénalité. Il y aura une pénalité logiquement. C'est normal. On s'est couché sous le ballon. Donc c'est normal qu'il y ait. Qu'il y a une pénalité pour Aigleton qui joue vite. Donc oula, je ne sais pas s'il a une bonne idée d'attendre. Il y avait un surnombre en bout d'aile. Le ballon doit être récupéré, je pense. Non, non, non. Si, si, il est récupéré. Bien joué, les gars. Bien, bien. Donc c'est une pénalité, ça va nous permettre de sortir un peu de l'autre camp. Tom-Tom est au sol, là, ça a dû lui tasser encore les vertèbres. Il va encore prendre un centimètre sur la journée, dit. Donc, ballon dégagé en touche par Beben, qui trouve une belle touche. Une belle touche, 7-8 mètres avant la ligne médiane. Tom-Tom, ça va, s'est relevé tranquillement. Bako qui a fait une course de 50 mètres, je pense qu'il est perdu pour la fin du match maintenant. Tom-Tom pour Pitou. Pris par Pitou, on est en moule. Donc là on progresse, le ballon est au fond, ça arrive un peu sur le côté. Il y a un arrêt signalé, hop, le ballon pour Alex qui s'est fait arracher le ballon. Ah, c'est pas possible ça, donc ça va pas faire plaisir je pense ça. Et voilà, donc ça va à l'essai. Ça va à l'essai. Là ça c'est un contre qui a été bien joué hein, par les joueurs d'Aigleton, il n'y a rien à dire, hein. Récupération de ballon. Récupération du ballon sur la ligne médiane. Donc le contre très bien joué hein, par rapport par les joueurs pardon hein, d'Aigleton qui vont aplatir dans notre but. C'est dommage, c'est un ballon qu'on avait en notre possession là, donc on s'isole un peu, on se fait arracher le ballon et après il joue bien le coup. Donc essai pour Aigleton, il y a 5-0 avant la transformation. Thank you.
Et la transformation est passée. Donc on est à 20 minutes de jeu à peu près et Aigleton mène 7-0. Allez, c'est pas grave, faut oublier, faut se remettre en place et repartir vers l'avant. Transformation de milieu. Alors là, il y a un carton jaune. 79-0. Il y a un carton jaune pour Alex, hein, qui a essayé de donner un coup de pied hein, au moment où le joueur d'Aigleton a aplati dans leur but. Donc c'est pour ça que c'est les joueurs d'Aigleton qui ont le ballon. L'arbitre a sifflé une pénalité et a sanctionné Alex d'un carton jaune. Je pense que c'était plus pour éviter l'essai hein, que de manière. C'était pas pour être pour faire mal au gars. Mais bon, c'est normal. Donc, touche pour Aigleton sur notre ligne des 22. Et on va jouer pendant 10 minutes à 14 contre 15. Lancé, la touche n'est pas droite. Donc on va récupérer le ballon. Il y aura un mêlée pour Bressuire. Introduction par Poulet. Pour Bressuire sorti sur carton jaune, il me refait Monissé. Donc ballon dégagé par pas la com. Donc plaquage de Dos, je crois. Ça joue, hop, bien arrêté par Keke. Au contest, on a Beben. Beben qui est pas là, donc ça repique au centre. Arrêté par Pitou. On part sur le grand côté. Fred qui avait. Donc là, on prend un peu la marée là, dans tous les sens. Là. On loupe les premiers plaquages, donc après il y a des boulevards. Donc là, un joli contest de. De Tom Tom, je pense, qui nous permet de récupérer le ballon. Donc là, on loupe trop de premiers plaquages là, donc pour pouvoir proposer quelque chose de bien en défense. Et après, ça joue pas mal. Hein, les gars s'en cachent bien d'Aigleton, donc ils sont joueurs. Donc il va falloir être plus rigoureux dans nos premiers plaquages. Donc remplacement pour le Cob, entrée de Pâté qui remplace Kiran. Donc, pénalité pour Bressuire. Je vais essayer de remonter un peu parce qu'apparemment le vent souffle dans le micro. Donc j'espère que ça va être mieux. Pénalité sur nos lignes de 40. Beben qui trouve une touche. À 30 mètres de l'embut, à peu près, hein, d'Aigleton.
Lancé pour Tom Tom. Lancé. C'était pas ça. Là. Ouais, peut-être pas d'en avant. Voilà, Alex, prends-le. Donc voilà, encore un ballon perdu pour. C'est du numéro 14, Cantelagne. Donc comme je vous le disais, donc, encore un ballon perdu sur une touche. Contre-attaque. Voilà, on se fout dans la merde tout seul. Contre-attaque et on prend un essai en coin sur la contre-attaque. Donc là, on se met en danger tout seul. Hein, les occasions, c'est nous qui leur donnons. Et faut avouer que à chaque fois qu'ils ont eu un coup à jouer, ils l'ont très bien joué. Et il n'y a rien à dire, ça va au bout pratiquement à chaque fois, c'est bien. Hein. Ça joue bien, les ballons sont propres, les gars fixent et passent. Leur ailier rapide. En quoi hein. Donc rien à dire. Donc on est à 27 minutes de jeu. Tentative de transformation. Qui part bien. Donc il passe. Donc 27 minutes de jeu. Aigleton mène 14-0. Numéro 9, Freyce, USA Aigleton. 14 comme 79-0. Bon allez les gars, là, faut se remettre dedans. Il reste quand même beaucoup de temps. Là, il reste encore 2-3 minutes, 2-3 minutes à jouer là avant le retour de la miche. Allons récupérer par Kirikou. On fait tomber les ballons encore, on se parle pas trop. Jess qui essaye de nous remettre dans le beau sens. Le ballon qui est là. Donc on va partir en ras. Ballon pour Pâté. Poulet pour Armand. Armand qui est pris tout de suite. Par-dessus le poulet. Donc là, faut prendre. Allez, Pitou, fais tomber. Bien, Pitou. C'est bien. Donc voilà, on essaye de mettre un peu de pression. Ça ne sert à rien de se consumer maintenant. Le ballon est sorti. Voilà. Allez, les gars, on monte dessus. Là, voilà, dessus. Tout de suite. Dans le même sens pour Aigleton. Ils sont pris. En avant. Allez, faut le jouer. Allez, bonne à jouer, là. Donc, ballon pour Pitou qui l'a récupéré. Ça part, Freddy qui part plein centre, toujours pareil, qui a bien avancé. Donc Pitou, droit encore. Ménissé pour Kéké. Kéké est arrêté. Hop, le soutien est bien en place. Alors là, on va revenir pour une position d'hors-jeu. Du numéro 1 d'Aigleton. Donc Choco a donné les consignes. Les gars hésitaient pour prendre les points, donc il a préféré jouer la touche. Donc on va essayer de trouver une belle touche là, proche de l'embut. C'est bien Bébène. C'est ce qu'il a fait. Allez, ce sera intéressant là de marquer avant la mi-temps. Il reste 10 minutes avant la mi-temps.
Alors je vous dis, hein, si vous vous ennuyez chez vous tout seul à regarder le match, n'hésitez pas de vous déplacer jusqu'au bowling hein, qui retransmet le match sur grand écran. Donc voilà, donc Olivia et ses amis seront un plaisir de vous accueillir. Donc ça avance, on est bien structuré, le ballon est derrière. On avance. Voilà, on est presque. En avant encore, voilà, ballon récupéré. C'est pas possible de. Voilà, on l'a pris, ouais. Bien, donc. Et voilà, donc. La touche n'a pas été trouvée par Ménissé. Voilà. Là, on va revenir. On va revenir à la faute, ça c'est normal. Sanctionné deux fois pour deux partitions d'hors-jeu. Donc là, on est encore aux portes de marquer. Alors, je sais pas s'il y a trop de précipitation, je sais pas trop ce qu'il y a. Mais voilà, ballon récupéré, et ça part encore dans l'autre sens, quoi. C'est dommage. Le ballon, c'est sorti. Donc sur le grand côté encore pour Aigleton, bien plaqué, le ballon a été relâché, donc Yann en avant, le ballon sera récupéré pour le Cob. Donc là tout le monde est bien en place, Beben qui dégage en touche, c'est bien, on est bien sorti, c'est bien les gars, c'est ce qu'il fallait faire. Donc retour du carton jaune d'Armand qui va replacer donc en 15. La touche pas droite, donc il y aura mêlée pour le Cob. Introduction pour Poulet. Bon, ce serait bien qu'on se réveille un peu là, parce qu'on a quand même des actions à notre compte et on n'arrive pas à marquer. Poulet, le ballon est gagné. Poulet sur Beben. Beben par-dessus, un peu trop long. Oula, ça c'est le rebond a été préférable, enfin favorable pour nous. Donc, voilà, donc on laisse passer, on loupe encore des plaquages encore. C'est incroyable quand même. Là, il y a un gros surnombre, attention, il y a un gros surnombre là pour Aigleton. Donc il y a un en avant je pense encore. Non, le ballon. Non, non, apparemment il n'y a pas d'en avant, c'est juste. Alors là on est sanctionné. Elle est sanctionnée pourquoi ? Alors qu'est-ce qu'il a vu ? Bon, je sais pas trop.
On va essayer de voir ce qu'il nous indique. Ah, je vois pas. Donc je vois pas ce qu'a dit l'arbitre. Hors-jeu, c'est un hors-jeu qui les a indiqués. Ouais. Donc Aigleton décide de prendre les points. Donc transformation face au poteau. Pénalité face au poteau. La pénalité est réussie pour... Pénalité numéro 9, Frey, SC Aigleton 17, Club 79-0. Donc, pénalité réussie par le mine-mêlée de d'Aigleton. Donc là, on est à 17-0 pour Aigleton. Il reste environ 3 minutes à jouer hein, dans cette première mi-temps. Donc là, ce serait bien qu'on score un peu là parce que ça commence à devenir un peu trop lourd et si on veut espérer quelque chose au second mi-temps, il faut qu'on revienne un tout petit peu dans ce match là. Donc le coup d'envoi par Bébène, ballon récupéré, en avant, de la part d'un joueur d'Aigleton, il y aura un avantage. Dos qui part avec Keke qui part encore, Keke toujours, qui avance, le soutien, il faut être là. Hop, c'est reparti encore pour Tom, Fred sur Bébène, non Alex, allez. Ah, faut qu'il la donne Alex là. Ah, il est passé, il a toujours le ballon, il avance. Voilà, encore un ballon arrêté, on va revenir. Putain, on perd trop de ballons, c'est incroyable le nombre de ballons qu'on peut perdre, se faire arracher, on s'isole sur tous les éléments. Donc on décide de prendre la touche. Touche pour le Cob, on est sur la ligne des 5 là. Donc c'est ici qu'il faut marquer. Lancé pour Tom. Allez les gars là. C'est le moment de bien se structurer là, de pouvoir aller derrière cette ligne d'essai. Tom pour Pitou, ça descend, voilà, là on avance, le ballon est au fond là donc il est bien au chaud, attention on nous décale un peu vers la touche, on repart vers le centre, hop, Armand faut qu'il lâche, le ballon toujours pour le Cob. Bébène. Le ballon toujours pour le Cob là. Donc là on... Allez, c'est toujours le ballon est toujours pour Bressuire là. Allez Armand là. Au bout, merde. Ça joue. Ça joue. Allez les gars là. Essayez de... Vas-y,
Allez, allez, continue, continue, continue là. Allez, allez, Kirikou, Kirikou, allez, allez. Et couche-toi ! Couche-toi, Kirikou ! Putain ! C'est incroyable ! Et donc, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur le score de 17-0 pour Aigleton. Donc, en espérant qu'on ait un peu plus d'envie hein, donc, et d'application hein, sur nos dernières phases de jeu. Donc, on se retrouve d'ici 5-10 minutes pour la seconde mi-temps entre ce match entre Aigleton et le COB. Donc, où je le répète, le score est de 17-0 à la mi-temps. Résultat de la bourriche, le 97 gagne une bouteille de Ricard. Le 97, une bouteille de Ricard. Les lots seront tirés au clubhouse à l'issue du match. Le 97, une bouteille de Ricard. Les lots seront retirés à l'issue du match au clubhouse. Thank you.
Donc ça va reprendre. Ça marche pas ? Donc ça va reprendre en quelques instants. Donc en espérant que les consignes et la petite remontée de bretelles qu'a passé Choco aux joueurs va avoir son effet. Donc, comme je vous l'ai dit en première mi-temps, donc, ils nous ont pas proposé beaucoup de choses, mais alors par contre, ils ont été très réalistes et tous les ballons qu'ils ont récupérés, ils les ont exploités parfaitement. Donc, à nous maintenant de se remettre un peu dans ce match et de prendre ce match par le bon bout. Donc, l'engagement va être donné par Beben. Ballon récupéré par Égletton, bien pris, sur le grand côté, pas encore, ça passe encore, là faut l'arrêter les gars, il y a en avant, heureusement, là on a encore loupé les plaquages, ça passe à travers, ça bien joué le coup, hein, il n'y a rien à dire, hein. Mais c'est propre ce qu'ils font, Le score pour l'instant reflète un peu ce qu'on a vu. Nous, on est très très bouillons et eux, les coups qu'ils ont à jouer, ils les jouent parfaitement bien. Donc, à nous de trouver des solutions pour pouvoir les contrer et surtout pouvoir les arrêter en début d'action parce qu'une fois qu'ils sont lancés, c'est quand même assez compliqué. Ballon gagné pour le Cob. Parti avec Jess, ça va. Donc là, ça bataille, le ballon est toujours conservé. On continue à jouer sur le petit côté avec Pitou. Pitou qui avance, le ballon toujours conservé. Hop, Benjalou en avant encore. On va revenir au premier en avant qui a été fait
par Benjalou. Et ce sera mêlé pour Aigleton. Voilà, encore des petites erreurs hein, qu'on n'a pas réussi à éviter hein, depuis ce début du match. Ballon tombé, ballon arraché. Donc, la mêlée se met en place. Introduction Aigleton. Hop, ballon gagné par Bressuire. Bien contré. Beben qui va taper par-dessus les défenseurs. Et ça repart à la main. Donc bien arrêté cette fois-ci. On est bien monté sur le porteur du ballon. Voilà, donc là, je ne sais pas comment on est placé encore. Voilà, ça ne plaque pas. Je ne sais pas si on va réussir à plaquer un mec. Donc là, maintenant, ils sont bien en place. Nous, on est très, très en retard. Hein. Oh là 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 là, on est, tout le monde est hors jeu, là. Donc voilà, allez, faut faire tomber. On a fait tomber. Le ballon toujours pour Aigleton. On inverse. Le même sens cette fois-ci. Donc là, on l'a arrêté. On inverse maintenant. Ça va un peu dans tous les sens là. Là, on plaque pas encore. Hein, voilà, donc on va revenir à la faute. Il y a eu un avant hein, sur la transmission. Donc là, il y avait une position d'hors-jeu tout à l'heure, logique. Hein. Non, l'arbitre a sifflé un passage à vide, hein, de l'autre côté, j'avais pas vu. Donc il revient à la première pénalité, qui était pour une position d'hors-jeu de nos joueurs. Bon, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait peut-être 5 ou 6 qui étaient hors-jeu, qui se replaçaient en marchant, ça ne peut pas marcher ça. Donc Aigleton va essayer de prendre les points. On est environ à 30 mètres hein, des poteaux, quasiment en face. Pour l'instant, on a vu un beau buteur d'Aigleton. Et ça passe à côté. Donc il y aura un renvoi au 22 pour le COB. Donc il y a eu différents changements. Donc au COB avec les débuts. Touche pour Bressuire sur la ligne médiane. Allez les gars, là, on a eu un avertissement sans frais. Faut essayer de profiter pour venir dans ce match. Rien n'est perdu, hein, il reste encore beaucoup de temps, mais là c'est important qu'on y aille maintenant. Bien essayé, hein. Donc on dégage suite à un renvoi au 22. Tom Tom avait pris le ballon en faisant croire que c'était pour lui, mais bon, tout le monde avait vu que c'était pas pour lui. Donc ballon pour Aigleton, en avant. Donc là on va revenir en avant. Là, il n'y avait pas d'avantage. Donc mêlée pour Bressuire, introduction par Poulet.
ballon gagné. Ça part en 89. Une combinaison. Allez, faut la lâcher. Ballon conservé. Ça part au ras avec Dos. Donc, ça avance. Allez, ça sort pas là. Donc, l'arbitre. L'arbitre estime que c'est nous qui bloquions le joueur d'Aigleton. Et c'est pour ça que le ballon n'était pas sorti. Donc on va conserver le ballon quand même, mais il y aura simplement une mêlée au lieu que ce soit une pénalité. Sortie numéro 12, Johan Petit, entrée du numéro 21, bouge. Ballon gagné par le Cob. C'est sorti, Beben pour Keke, pour Armand. Armand qui essaye de zigzaguer dans la défense, ça avance. Voilà, donc il est pris. Là, on est sur un moule. Là, logiquement, le ballon est rendu au joueur d'Aigleton, hein, donc on se fait prendre de haut, le ballon est coffré. Donc mêlée pour. Je suis entrée du numéro 17, Villon, du 19, Proutot, sortie du 10, Amblard et du Verger. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a différents changements. Max est rentré à la place de Beben et les deux Max sont rentrés, hein, Max Proutot et Max Villon. Max Proutot à la place de Beben et Max Villon à la place de Benjalou. Allez, mêlée. Ballon pour Aigleton encore. Hop, pris. Voilà, le retour intérieur, toujours les mêmes. C'est incroyable ça. Ils vont le faire combien de fois ça? Ouais, voilà. Voilà, pas de plaquage. Ça passe comme dans du beurre, c'est incroyable quoi. Là, on fait le 15, il nous fait la même depuis le début. C'est du numéro 3, Franck Pichy. C'est la raison, hein, ça marche. Donc, il a raison de ne pas insister, quoi. Mais il nous fait la même depuis le début. Sa feinte avec retour intérieur, depuis le début, il nous l'a fait. Et à chaque fois, on tombe dans le panneau. C'est incroyable. Incroyable. Donc, nouvel essai. Nouvel essai de d'Aigleton, le troisième. Donc, transformation qui, je pense, va être une formalité. En face, les poteaux. Voilà, c'est transformé. Donc, le score est maintenant de 24-0 pour Aigleton. C'est Aigleton 24-79-0. Allez les gars, ce serait bien un peu de relever la tête là, puis d'y aller un peu et de montrer un peu ce qu'on sait faire. Là c'est le moment là. Donc maintenant il nous faut cette fin de match à notre avantage si on veut espérer quelque chose au match retour. Ah, c'est dommage. Donc voilà, on a quelque chose, on a tout pour nous là, et encore une petite faute de main et on perd le ballon. Donc c'est pas grave là, donc le coup était bon à jouer.
C'est dommage, encore une munition de perdu. Ballon gagné pour Aigleton. Là, ça part. Hop, ça repique encore, comme d'habitude. Hop, là, ça arrive complètement sur le côté, là, pour le nettoyage. Bah, il saute. Ballon récupéré. Allez, Messi. Oh, mais merde! Putain, c'est incroyable, bordel! Putain, mais. Mais combien on va bouffer des comme ça, quoi? Voilà, donc on arrive pour aplatir, encore dans leur but, on fait un en avant dans leur but. Putain, mais c'est incroyable, bordel! C'est quoi, c'est incroyable de faire des fautes de main comme ça, on se fait toujours arracher le ballon un en avant, juste avant la ligne. Allez, bien, 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 ça avance, c'est bien. Ah ouais, c'est bien défendu encore. Hein. C'est bien défendu. Donc, envoyé en touche, c'est dommage. Mais bon, il y a du mieux quand même. Hein. Faut aller dans le bon sens, il y a quand même un peu de mieux. Pour Aigleton, sortie numéro 5, Paré, entrée du numéro 16, Chaise. Allez, il faut essayer de voler ce ballon sur cette touche. Ça joue encore. Et ça revient encore. Ouais, putain. Bien les gars, allez, récupère, récupère. Voilà. Alors là, l'arbitre a interrompu le jeu là, suite à un choc qui a eu lieu donc sur la rentrée de Kéké. Donc, Donc l'arbitre a préféré arrêter le jeu. Il a tout à fait raison. Donc on repartira sur une mêlée après. Ballon pour Bressuire. Donc il doit avoir mal là, je pense. Hein. Quand on prend Kéké dans la gueule, ça peut piquer un peu. Quoi. Sissou, il m'a tapé. Il fait que des jeux de cons, Sissou. Jeu de con, jeu breton. Allez, une bière. Merci Karine. Donc là, on prend un peu de temps pour s'occuper du joueur d'Aigleton qui est au sol. En espérant que ce soit pas trop grave pour lui. Si vous parlez de 3, il parlait de l'arrivée du tiercé, donc apparemment c'est le 3.
L'épaule a dû sauter, je pense. Ouais, à mon avis, il doit bien avoir mal parce que l'arbitre a arrêté tout de suite. Ça bougeait les jambes. Quand ça bouge les jambes comme ça, quand on est allongé au sol, c'est jamais très bon. Ce qui m'inquiète pour lui, c'est que s'il est soigné par Baco, ça peut qu'empirer. Autant le piquer maintenant, il souffrira pas comme ça. Donc mêlée pour Bressuire. Sortie. Jess. Donc ils sont arrêtés. Et voilà. Ballon conservé au sol, on peut pas y arriver, de toute façon... On n'arrive pas vraiment lancé. Le temps, sortie du numéro 3, Franck Picherie sur blessure, entrée du numéro. Donc, mêlée. Mêlée, pardon, pénalité. Pénalité, donc touche. Touche juste avant la ligne des 40 d'Aigleton. Il reste à peu près 22 minutes de jeu là. Allez, il faudra récupérer ce ballon sur la touche. Donc il n'y a pas de ballon qui arrive. Si, leur voilà. Bing, ça a touché la tête d'une spectatrice. Intéressant. Donc lancer Aigleton. Donc la touche est pas droite. Donc mêlée introduction Max. Ballon gagné. Fred pour Keke qui repique plein centre. Dos. Ballon derrière. Ça joue encore. Alex maintenant. Alex, allez les gars, au soutien. Encore arraché. Encore arracher un ballon, on va jamais y arriver. Hein. Allez, il faut faire tomber tout de suite là, avant qu'il libère ce ballon. Allez, faut prendre là. Bienvenue là. Ballon récupéré, bien les gars, bon contest, on récupère le ballon. Ça joue. Qu'est-ce qu'il a vu là? Alors je sais pas, l'arbitre a arrêté le jeu tout de suite. Alors l'arbitre va peut-être appeler un joueur ou le capitaine d'Aigleton. Je sais pas ce qu'il a vu. Alors c'est juste un avertissement. Donc il y aura une pénalité pour Bressuire sur
la ligne médiane. Et Fred, la touche. Oula, elle est trouvée, c'est l'essentiel. Belle touche trouvée par Fred. Donc maintenant, ce sera bien de rentrer avec le pot de résine, parce que peut-être que le ballon va rester dans les mains. Lancé, ballon pour Pitou. Pitou qui est allé directement au sol. Le ballon va sortir. Départ de Dos. Allez, faut le suivre, faut le suivre, faut le suivre. Le ballon est conservé. Qui c'est qui était au milieu? Fred qui repique, qui va chercher les gros. Quand il récupère le ballon, il y avait que ça à faire. Là, le ballon, il est derrière. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va essayer d'avancer maintenant. Allez, c'est parti. Il est couché dessus. Hop. Allez, ça joue les gars. Vite, vite, vite. Prends le ballon, prends le ballon, prends le ballon. Allez Max, joue, 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 joue. Qu'est-ce qui branle? Allez, ça joue. Donc là, on choisit la touche. Hop, la voiture qui passe, loupée. Oh, l'autre, bien. Touché trois voitures, dit. Pour un bouton, sortie du 2, Chamy, du 9, Price, entrée du 19, du fond. Allez, les gars, il reste un quart d'heure, là. Là, faut s'y mettre, pas dedans, là. Allez, lancé pour Tom Tom. Ballon récupéré, mais c'était pas terrible. Dos, ballon est toujours pour le Cob. Tom Tom maintenant, arrêté. Il y a en avant des Gletons, donc il y aura une mêlée pour Bressuire. Donc, remplacement, la rentrée de Benjalou. Qui rentre à la place de Tom Tom. Le club sorti du dos Bernard, retour du numéro Verger. Introduction pour Max. Le ballon est gagné. Max Fred. Pour la miche. Qui est bien pris. Ballon. Ça joue. Allez. Ils sont pas à 10 mètres. Ils sont pas à 10 mètres. Allez, faut avancer les gars là. Mais non, passe ta balle, Alex. Là encore. Allez, 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 ça va au bout ça. Oh là 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 là, mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est dégueulasse à regarder quoi. Donc, là, je vous cache pas que Choco est un peu agacé. Heureusement, moi, je suis pas dans son minibus pour venir. Ça va être bien. Donc, touche. Hein. À nouveau pour Bressuire sur la ligne des 5. Armand, ballon en bas. Ils font tomber directement. Le ballon est toujours conservé. La Dos
Démarrage de Dos. Ballon est vivant. Fred. Ça s'est bien défendu. Allez Fred. Et voilà, en haut. En haut encore. Et voilà, ballon perdu à nouveau. C'est incroyable, incroyable. On fait que des mauvais choix. C'est affolant là. Donc encore un ballon perdu à 2 mètres de la ligne. Ça continue. Donc on va repartir pour avec une mêlée pour Égletons. Gagnant, le ballon est conservé par Égletons. Foureur qui va taper, trouver la touche, ballon récupéré par Armand. Ouais voilà, encore un ballon tombé. Mais c'est quoi ce bordel sans déconner, mais. Oh là 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 là. Donc là, il y a Beben qui va rentrer sur le terrain, à nouveau, en remplacement de Fred, qui s'est fait un tout petit peu mal au genou. Donc nouvelle mêlée pour Égletons. 2h22. Ballon regagné. 9, 10. Et la touche trouvée cette fois-ci. Toujours dans leur camp. Le lancer sera pour Pathé. Pitou, hop, amené au sol. Le ballon conservé, mais on est sanctionné. Hein. On est sanctionné. Pitou est amené au sol. Il n'y a personne au soutien derrière, donc ça ne peut pas marcher. Hein. Donc forcément, ils ont bien joué le coup. Au lieu de se rapprocher de lui, on préfère se reculer. Et touche pour Égletons dans l'eau 40. Il reste à peu près 10 minutes à jouer, hein, sans compter les arrêts de jeu, parce qu'il y a eu un arrêt de jeu un peu prolongé, là, suite à la blessure du pilier d'Égletons. Là, elle n'est pas droite encore à nouveau. Donc, mêlée d'introduction pour Max. Donc remplacement, rentrée à nouveau de Kieran à la place de Pitou.
Ballon gagné. Max, Max pour Beben. Allez, Kéké, Kéké qui avance. Allez, faut suivre. Faut pas qu'on soit trop loin, les gars, là, parce qu'à chaque fois, on est à je sais pas combien. Max pour Kian. Hop. Allez, allez. Avec Armand maintenant. Armand qui est pas tenu, qui se relève. Le ballon pour Xavier. Max. Beben. Le ballon toujours conservé. Allez les gars. Attention. Voilà, les passes sont pas. On fait pas attention, les passes sont pas assurées. Ménissé qui est arrêté, le ballon toujours conservé. Et en avant, encore, encore et encore, mais c'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse à regarder, quoi. Ballon tombé, il n'y a rien de beau, quoi. Oh, oh, oh. Remplacement, Beben qui sort. Un petit coup sur les côtes, je pense. Et nouvelle mêlée pour Aigleton suite à un en avant du Cob. Pour ce match-là, j'aurais dû pré-enregistrer cette phrase parce que ça m'aurait moins fatigué à le dire. Ça part sur le petit. Plaqué, donc là, on a bien joué le coup. Allez, on ramasse, on joue. Joue, 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 Max. Allez, c'est parti, ça joue. Là. Oh. Allez Max. Là ça lâche, le ballon est conservé pour le Cob. Ouais voilà, encore un en avant, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc nouvelle mêlée, encore. Pour ceux qui n'ont pas compris la règle, hein, ce qui était une mêlée suite à un en avant, je pense que s'ils l'ont pas compris aujourd'hui, ils l'apprendront jamais. Ballon gagné. Ça part sur le grand. Ça passe. Allez, faut l'emmener, mais c'est pas possible. Comment on peut le louper encore? Bien les gars. Je sais pas qui a fait le contest là. Armand, je crois. Alors, qui c'est qui est au sol là-bas? Je crois que c'est Kéké qui doit être au sol. Je vois qu'il s'est mis à genoux là, ça... il a l'air de se relever. Pris un choc.
crois qu'il y a dû y avoir un choc tête contre tête, je pense. Le joueur des Gletons sort avec l'arcade un peu en l'air. Et Keke se relève tranquillement. Il marche, ouais. Donc touche pour le Cob. Bonjour. Sissou qui se décide à dire bonjour et à 2 minutes de la fin du match. Donc je pense qu'en temps de jeu effectif, il doit rester 5 à 6 minutes, je pense. Donc, ballon conservé. Ça joue. On est encore coffré pratiquement en bas. Encore un ballon arraché. L'arbitre a vu quoi? Une position d'hors-jeu. Avant. Max pour Pathé. Pathé qui va au sol. Le soutien est là. On inverse. Là, c'est donné n'importe comment. Il y a du monde autour. On a un surnombre sur le côté. On préfère faire une sautée au lieu de jouer simple. On ne peut pas y arriver. On a encore un surnombre là sur ce côté-là, on doit être à 4 contre 2. Non, on préfère sauter. Et voilà, ballon perdu. Donc on repart encore avec un en avant. Et une mêlée. Donc on récupère le ballon sur la mêlée. Ça gueule, 10 mètres de plus. Allez les gars, là, au moins un petit quelque chose à nous faire voir. Parce que pour l'instant, le point positif, hein, c'était les très bons plats que nous avait préparé Jeff pour le pique-nique. Mais autrement, là, j'en vois pas d'autres. Le ballon est sorti en touche. Signalé un peu tardivement. Pas l'arbitre de touche, mais signalé quand même. Donc là, c'est notre dernière action, je pense, hein, pour pouvoir marquer quelque chose. Ballon. Allez, ça joue. Non, mais attends. S'il arrête l'action, normalement, il devrait prendre un carton. Il va prendre un carton, ouais. Donc, ça, c'est. Donc, dehors. Donc, là, on va essayer de profiter de cet avantage numérique là pour la dernière minute. La touche trouvée. Alors si un jour vous venez à Aigleton, je vous indiquerai un endroit où il ne faut pas garer votre voiture parce que on prend que des ballons sur la gueule là-bas. Ouais, de toute façon, maintenant.
2 minutes à jouer, annoncé par l'arbitre. Allez, allez, du monde avec lui là, parce qu'on est encore loin. Là, on inverse, lâche-la. Allez, là, on se replace là sur le grand côté. Tom-Tom mis au sol. Armand maintenant au relais. Allez, Alex maintenant. Allez, Alex là. Allez. Là, pas d'en avant, aplati. Oh, aplati, donc. Bien les gars. Bon, bah écoute. C'est bien. Là, une action qui est à peu près construite, là, on va au bout. Donc c'est déjà ça. C'est pas brillant ce qu'on a fait, mais. Donc tentative de transformation par Pathé. Donc suite à la sortie de Beben et de Fred. Réussi, c'est la fin du match ici à Aigleton. Donc le COB. Félicitations aux deux équipes ainsi qu'à l'arbitre. Donc fin du match hein, donc, à Aigleton. Donc le club s'incline 7-24. Donc bon, cet essai nous donne un peu d'espoir hein, pour le match retour qui aura lieu la semaine prochaine. Alors n'hésitez pas de venir nombreux pour assister à ce match. Et à l'occasion de ce match, en début de match, nous rendrons un dernier hommage donc à Christian. Donc pour l'homme et que c'était, n'hésitez pas à venir nombreux pour lui rendre cet hommage. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Vous avez des nouvelles?
Tu vas à l'hôpital ou à la guerre?